Bonsoir, ça va? Bonsoir, très bien, merci. Qui c'est la fille là-bas? Non, non, la grande, pas là-bas. Ah, là-bas, ouais. C'est Annie-Paul. Elle a l'air d'avoir du succès. Excusez-moi, je vais aller me chercher un verre. Il amène un souffle nouveau dans la peinture qui a manqué depuis quelques années. Ce geste précis, sûr, par son expérience, il apporte une dimension supplémentaire à la peinture contemporaine. Vous êtes mondain. Pour être mondain. Je voulais être danseur pour être mondain. Aubrey? Enchanté. C'est vous le peintre? Effectivement. Alors, vous êtes content? Content? Je veux dire, vous êtes content du déroulement du vernissage? Tout se passe bien? Ah oui, oui, oui. Monsieur Marchand me propose de visiter son atelier. C'est formidable, non? Tiens, vous faites des visites. Pas vraiment, mais enfin, mademoiselle Paul semble apprécier mon travail. Je lui propose de visiter mon atelier. Mais je ne veux pas vous embêter, vous devez être très occupé. Oh non, je m'ennuie beaucoup, énormément. J'ai très peu de visites. Alors, pas de passer quand vous voulez. Avec plaisir. Voilà, je commence seulement à comprendre qu'il faudrait tout recommencer. Ces tableaux, c'est l'homme que je suis, sombre, hasardeux, animal. L'homme sincère que je suis. Celle-ci est terminée? Non, pas encore. Comment sait-on qu'elle est terminée? On ne sait pas. On attend un signe qui nous fasse comprendre que c'est fini. Alors après, vous n'y touchez plus? Oui, on n'y touche plus. Ou bien on s'est trompé et on reprend là où on s'était arrêté. Dès qu'on veut, ça ne marche pas. Il faut attendre, être disponible et puis ensuite ça vient. Thank you.
T'as fini? Quasiment, ouais. T'es content? Oh. Tu me le prêtes? Oui, oui, prends-le. Écoute, Aubrey, on se verra plus tard. Non, cet après-midi, j'ai pas pu. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Mais j'ai passé l'après-midi à garder mon frère. Mais tu sais très bien que ça n'a rien à voir. Mais pas du tout. Bon, on se voit demain. D'accord. Oui, à demain, je t'embrasse. Tu pourrais dire bonjour. Bonsoir. Et moi, il y en a d'autres qui sont moins attendus. Il y a le couteau. T'as passé une bonne journée? Il y a la glycine. Oui. La glycine sous laquelle le cosmo. Il est où, Adam? Ont échangé leur premier baiser. Les dépôts dans sa chambre. Récemment décédés reposent côte à côte, allongés dans une faille horizontale. Et ça fait un livre qui est tout à fait, qui est drôle, qui est émouvant. Il appartient à qui, plein de surprises. Il y a des passages formidables. Il y a 3 pages d'anthologie sur le travail du comédien. Les hommes se préparent à se régaler de leur plat préféré, les araignées. Bien que les considérant comme un mets particulièrement délicat. Je vais bientôt partir. Oui. Bah, attends, je t'accompagne. Tu sais, comme ça me fait chier de savoir que t'es avec quelqu'un d'autre et de te voir juste après. J'ai su que vous étiez amie avec ma fille. Oui, vous avez une fille charmante. Merci. Vous vous voyez souvent, il me semble. Elle passe de temps à autre. Oui, je sais. Je trouve qu'Annie est trop jeune. Trop jeune? Je crois qu'il est préférable qu'Annie et vous cessiez de vous voir. Bien, mais je vais y penser.
Ça y est, je viens d'appeler les parents. Je leur ai dit que j'entrerais plus tard que prévu. Bien. Alors, t'as passé une bonne journée? Oui. Oui. Et tu as une faim de loup? Comment t'as deviné? Ah, mais... C'est ta mère qui nous a poussé l'un vers l'autre. Comme dirait ma mère, sans commentaire. Je crois que je vais porter plainte. Dis, on ira en Italie? Oui. En tout cas, on partira le plus souvent possible en voyage. Loin d'ici. Pourquoi loin d'ici? C'est très bien ici. C'est encore long. Voilà, c'est terminé. Ça te plaît? C'est intéressant. Adam, tu laisses ça tranquille, s'il te plaît. Et voilà, tu vois, ça tombe. Attends une minute. Tu vas beaucoup chez lui, c'est un signe. Et pourquoi pas? Mais ma chérie, il a 50 ans. Oui, maman. Écoute, je voudrais pas qu'il te fasse du mal. Je voudrais pas que ça... Mais t'inquiète pas. Il m'ennuie à mourir la plupart du temps. D'ailleurs, j'ai plus envie de le voir. J'ai pas pu me décommander pour aujourd'hui, tu comprends? Pas vraiment, non. Ça fait 3 jours que ma mère ne me parle plus. Ah. Les voisins racontent d'immondes ragots sur moi. Tu sais ce qu'elle m'a sorti? Que notre liaison se répercutait sur elle. Je peux dire que mon autorité de Madame Paul, elle en prend un coup. Que les gens peuvent être mesquins. Ouais. Enfin bon, on part ce week-end. Je pars ce week-end. Oui. Comment ça tu pars ce week-end? Non, mais je te l'ai dit, je vais à Montpellier pour mon livre. Non, tu m'as rien dit. Le salut. Ah si, je t'en avais parlé. Je parle avec toi. Non, c'est pas possible. Parce que ça dure 4 jours. Tu as des choses à faire lundi, mardi, c'est ça. Ah bon? C'est rien. Si, qu'est-ce qu'il y a? Tu pleurais déjà hier, tu peux me le dire, tu sais. C'est ce que c'est que les filles. Ça pleure tout le temps. Ouais, tu veux pas me le dire, quoi.
Bonjour. Non mais bon, deux jours, bon, ça va, mais enfin là ça fait plus d'une semaine quand même qu'elle m'a pas donné de nouvelles. Enfin bon, si vous me dites que ça va. Faut que j'aille.
Bonjour, monsieur Marchand. Bonjour. Je passais à l'improviste. Je voulais savoir si vous aviez reçu le colis. Oui, c'est arrivé, oui. Et vous êtes satisfait ? Oui. Merci. Je voulais vous dire, ce matin, je passais à la galerie et j'ai vu quelqu'un qui achetait une de vos toiles. Ah. Oui, je crois que vous le connaissez. Je le connais. Oui, c'est Arthur Paul, le père d'Annie. Oui. Et vous êtes au courant de la nouvelle ? Au courant de quoi ? Ben, Annie se marie. Non, je ne savais pas. Mais normalement, vous êtes invité à la fête. Oui, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Vous êtes sûr ? Vous permettez 5 minutes ? Vous pouvez lui remettre ça ? Ah bon ? De la part d'un admirateur. Au revoir, hein. Thank you.